Steve a travaillé dur 24 heures sur 24 et a bien réussi. Ses actions sont montées en flèche. Waouh, je suis riche! C'est pas vrai! Il y a tellement d'argent, on peut nager dedans! Mais le succès ne dure pas très longtemps. Steve ne s'attendait pas à ce que sa chance tourne et que la banque prenne tous ses biens. Qu'est-ce que vous faites? Et on prend ça aussi. Chérie, on est follement riches maintenant. Ouais, je t'aime. Sérieusement, c'est pas possible. Eva est tellement excitée, c'est difficile de la calmer après une bonne nouvelle comme ça. Salut chérie, on est riche. Calme-toi. Voilà une carte. Prends-en bien soin. De l'or, c'est incroyable. Chérie, donne-moi ma veste. C'est pas la mienne. Salut, bonne journée. Tu es la prunelle de mes yeux. Voilà, détends-toi. Je vais te faire la lecture. Ma petite fille en or va prendre du thé tout de suite. Tu es mon petit trésor. Eva ne peut détacher son regard affectueux de sa carte, même lorsqu'elle est au magasin. Ça fera 30 euros. Oh, je n'ai rien pour payer. Attendez. Chérie, tu ne m'as pas donné d'argent. Tu as la carte. Oh, c'est vrai. Je peux tout acheter. Des biscuits, des bonbons et ça aussi. Tout. Waouh. Donnez-moi ça. Le shopping avec une carte en or est le rêve d'Eva qui devient réalité. Elle a hâte de l'essayer. Ces robes. Je vais prendre ça et ça aussi. Le rouge me va très bien. Eva achètera autant de choses qu'elle pourra porter. Vous avez bon goût. Et votre haut, je le veux aussi. Non. Oui, je l'achète. Et ma chemise? Merci, allez-y. Au revoir. Elle est bizarre. Allô? Oui, vendez tout. Oh non. Arrêtez ça. Arrête de descendre. Je te retiens. Je suis en train de faire faillite. C'est fini. Eva a décidé d'aller dans un salon de beauté haut de gamme où elle n'est jamais allée auparavant. Mais il semble que tous les stylistes soient occupés. Hey, mais qui va s'occuper de mes cheveux? Désolé, vous devez attendre. Quoi? Et ça alors? Je m'en occupe. Et moi alors? Et si je vous paye encore plus? Vous revenez? Allez, je vous paye plus. Vous voulez mon collier? Et voilà. Hey, j'ai une voiture. Revenez. Je peux acheter toute une concession de voiture. Avec autant d'argent, même les clients du salon travailleraient pour Eva. Les huissiers envahissent le bureau du pauvre Steve. Mais qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi au moins ce pauvre cactus. Et on prend ça aussi. Salut chérie, regarde cette montre. On est en faillite. Heureusement qu'on a encore la carte. Oh non! J'ai tout dépensé. Steve ne doit pas le savoir. Bonjour, assieds-toi. Bébé, tu as fait du café? Attends,
On n'a même plus de café. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter de l'eau avec de la terre. La couleur est la même. J'espère qu'il ne le verra pas. Alors? Tiens. Merci. C'est quoi ça? Bois un peu d'eau. J'ai faim. Tu as pris du poids, Steve. C'est le moment de les perdre. Allez, bois. Il nous faut des lingettes. Non. Pense à la planète. C'est écologique. On n'a plus de chips. Non, c'est trop mauvais pour la santé. Remets ça. Allons-y. Je peux au moins avoir des tic-tac. C'est tout. Merci. Allons-y. C'est un endroit mignon, non? Vous voulez commander? Oui, des spaghettis et votre dessert préféré. Je vais arranger les choses. Et pour l'instant, on peut utiliser ce qu'il y a sur la carte. Oui, c'est clair, chérie. Sur la carte. Eva n'a toujours pas dit à Steve qu'elle avait dépensé toutes ses économies. Alors aller au restaurant est très stressant pour elle. L'addition, s'il vous plaît. Laisse-moi faire. Regarde ce qu'il y a là. Garçon! Il y a un cheveu dans mon assiette. Désolé, c'est la maison qui offre. Mais qu'est-ce qui se passe? Steve, je voulais pas te contrarier. Mais la carte est au maximum, j'ai tout dépensé. T'inquiète pas, on va trouver une solution. Prends une feuille. Eva se sent tellement coupable, mais il semble qu'elle ait trouvé un moyen de changer leur situation financière. Les prix les plus bas, ne ratez pas cette chance. Je sais comment faire de la pub pour votre entreprise. Super, essayons. Tada! Un masque spécial. Dans la meilleure pharmacie de la ville, avec beaucoup de réductions, c'est seulement aujourd'hui. Bienvenue! Tape là! Ouais, cool! Maintenant, l'argent, comme on a dit. Steve et Eva doivent même mendier de l'argent au cinéma. Attends, j'ai peut-être une idée. Ils commencent à faire de la pub pour tout ce qu'ils peuvent pour gagner de l'argent rapidement. Notre répulsif à abeilles est le plus sûr et le plus efficace. Oh, partez, je suis allergique. Partez d'ici. Ouf, merci mon pote. Et le destin a fait qu'ils ont été jetés aux pieds d'un célèbre réalisateur de films. C'est tellement unique. Bravo! Eva et Steve ont gagné beaucoup d'argent en jouant dans des films. Les acteurs sont horribles. Le film était nul. Ennuyeux, sans talent. Les mauvaises critiques ne peuvent pas ruiner l'humeur de ce couple car ils sont à nouveau dans le luxe. Je devrais en garder un peu. Rentrons à la maison. Rentre ma chérie, ne regarde pas. Pour l'instant, écoute la musique. Attends-moi dans la chambre. Cette fois, Steve sera plus malin et cachera l'argent avant qu'elle ne gaspille tout dans de nouvelles chaussures. Vous avez aimé l'histoire d'Eva et de Steve? Alors dites-nous ci-dessous comment vous utiliseriez votre carte Gold. Écrasez le bouton pour vous abonner, likez cette vidéo et cliquez sur la cloche. Ne manquez pas les vidéos fascinantes de Woohoo Wa Motion.